Oh, ça, je connais, j'ai déjà offert à ma grand-mère. C'est des T'es un sardines. bâtard, oh t'es un bâtard. J'ai déjà offert à T'es ma un bâtard, grand-mère oh le de toutes coffret de tes thunes il a sardines. offert le coffret de sardines, oh le bâtard. Attends, il y a des macrons aussi. Attends, elle creva. Oh, j'y crois pas. Oh, tu t'es dit, la vieille, elle comprend pas ce que je lui offre là, c'est parti. Mais elle a adoré, c'est super bon. Oh, t'es un. Oh, l'enculé. Puis les boîtes sont jolies. Après, tu me diras, t'as offert quoi à ta grand-mère? Je vais te répondre, rien du tout. Voilà, et ça meurt, ça soit leur hobby au bout d'une heure. Donc, Ah, voilà, t'as. franchement. Attends. T'as rien offert à ta grand-mère? Non. Ok. Ok, je pense Mais que tu peux arrêter de elle était rigoler. pas Je avec, pense que elle tu. était pas avec nous. Oh, Je en pouvais pas lui plus! offrir. Et du coup, c'est parce qu'elle est pas avec nous, pas de cadeau! Alors là, c'est. Là, je pense. Elle est où ta grand-mère? Je vais lui offrir des sardines, moi, ta Mais elle ne grand-mère. sait même pas qui je suis. Mais elle aime toujours les sardines! Voilà! Donc là, ça lui fait Ah, des bizarre! sardines, vous êtes bien gentil, monsieur. Vous êtes très moche, vous êtes bien gentil. Il y a un infirmier qui m'a offert des sardines! Oh! Mais tu as un super cadeau. Nintendo Switch Fort Boyard, est-ce que Fais voir, Quoi? il est super ce jeu. 27 euros, hein? Oh, mais arrête de. Tu brises le mythe des gens. On a cherché le prix à chaque fois. Oh, il est même en promo à 12 euros. Désolé! Arrête! Oh, Oh! désolé, hein, vraiment! Axe Provocation. T'as un non-stop frais, mais ça, c'est un peu de ouf. Tu te rends compte, 2 jours sans se laver, t'es toujours frais. J'avoue, c'est trop trop bien. Genre, pour pas cher, tu peux ne pas te laver pendant 2 jours. Bah ouais. Imagine, t'achètes 10 bouteilles de Axe, comment t'économises sur le long terme? T'as plus de douche à prendre pendant plus d'un an? Merde, de toute façon, t'as 43. Fais du 45. T'as vu comment il les a Ah oui, rapprochés? c'est vrai qu'elles sont un peu petites. Trop déçu. C'est vrai que ça dépasse un peu à l'arrière. Bon, bah voilà. Ouais, y a un petit souci de taille. Tu prends des ciseaux et tu coupes l'avant, ça te fait des tongs. Une cloche pour vache. Mais Bon, là, pourquoi? c'est vraiment. Là, Pourquoi? il n'y avait vraiment pas d'idée, quoi. Là, on a été volé la cloche d'une vache dans le champ d'à Ouais, côté. ça a été volé à une vache, quoi. Y a pas un contexte? Non, ma grand-mère la folle. Ma grand-mère la folle. Oh, il a mal pris. Y a vraiment pas d'explication, elle est juste un peu bizarre, quoi. Le meilleur cadeau de ma vie, puis probablement le pire. Excellent. Par contre, habille-toi. Ah oui, j'avoue, non mais le mec C'est qui fait sa gros. photo l'habite à l'air, et ben voilà, la petite GeForce qui fait plaisir. Ces grosses cuisses de poulet là. The best burger boxer. Pff, il est pas hideux. Franchement, je le mets Il est ça. pas hideux, franchement, il est pas hideux. Mais je le mets. Ça va, franchement, ça va. C'est pas du Free Gun Mais Tier, j'ai c'est. pire, hein. Ça J'ai va. pire. Eh, par contre, on en parle de sa couette derrière. Ah, bonne nuit. Celle-là, c'est toi qui l'as achetée là. Ah, tu t'es pas fait payer pour l'avoir celui-là, hein. Tu l'as pris toi-même, hein. C'est pas un cadeau ça. Parler du merch quand on est vainqueur Terracite, c'est très culotté tout de même. Bah alors? Attends, je vais doucement vers la droite. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, j'ai 9 jours! Oh merde! Oh, je me suis arrêté à 9 jours! Putain! Oh. Vous buez la merde! Tu pues la merde, alors toi! Là. Hey, le message est clair, effectivement. Ah bah là, c'est grave, c'est énorme. Le problème, j'aime pas trop The Last of Us. Bon, déjà, Maxence, t'es un sale con, parce que pour dire j'aime pas trop The Last of Us, ils t'ont offert un super cadeau. L'un des jeux les mieux faits et l'un des meilleurs jeux de la PS4. Bien fait pour ton parfum scorpion, espèce de gros con de Maxence. Et t'offriras ça à un nécessiteux qui va apprécier The Last of Us comme il se doit. Sale con, va. J'ai bien conscience que The Last of Us, c'est le meilleur cadeau que j'ai aujourd'hui. Ah, pardon. Ça va, au moins il Il en a avait dit. conscience. Une autre toilette Rasta en forme de Zippo. Oh le cadeau de con. Ça a l'air d'être infâme. Toi, j'étais dans un supermarché et je sentais les parfums pour enfants. Et c'était des parfums horribles, vraiment. Et je l'imagine comme ça. Pourquoi tu sentais des parfums pour enfants? Bah, je me faisais chier, mais mes parents, enfin ma soeur achetait des vêtements, il y avait des parfums pour enfants, je les ai sentis. T'as déjà senti ce que ça pouvait sentir, un parfum pour les enfants? Non, parce que je ressens pas l'utilité d'acheter des parfums pour enfants. Mais le chat, il est trop bizarre. On dirait que j'ai dit un truc de pédophile, vous êtes trop bêtes, c'est pas des parfums. Non, non mais ils sont trop cons. C'est pas des parfums qui sentent l'enfant. Ils sont trop cons. Moi, je me suis juste dit, moi, je peux déjà, rien. Tu trouves pas ton bonheur chez les adultes, donc tu sens par curiosité le Mais truc des enfants, en mode ça sent peut-être vous mieux. êtes trop bêtes. Non, mais parce que tu vois, genre, autant pour les compotes, je sais que les gens disent les compotes pour bébés, elles sont meilleures que les compotes pour adultes. Oui, en mode je vais acheter les compotes pour les bébés, le chat, il va te des points d'interrogation en mode c'est ça, c'est bien un YouTuber. Oh putain. Un big panneau. Vous les gars de la campagne, vous avez tous fourré des cônes de chantier, des panneaux de route pour les mettre dans votre chambre. Oui, je le fais encore. Et donc vous accumulez les plots chez vous. Alors je ne sais pas dans quel but ils font ça par contre. Et puis tu sais, la campagne quoi, tu vois, le. Ouais. L'alcool. Ça n'aide pas effectivement. Et des poivrons. Ça hein, commence à partir de 14 ans. Hein.
des ivrognes. C'est... ça leur semble normal sur le moment. Hein. En mode posé, Tagliolo, total bad. Ouais, ça passe quand même. C'est vraiment comment une personne de 80 ans imite les jeunes. C'est bien fait. Hein. J'aurais du mal à imaginer un truc aussi ringard comme expression. Ouais, tu vois, on pourrait pas le faire nous. C'est fort. C'est dur. Un masque, des masques, une crème douche. Non mais attends, tu peux pas recevoir une crème douche. C'est vraiment l'autre gros crasseux. On va lui prendre la totale, on va lui prendre des masques. Non mais frère, regarde à quoi il joue derrière. Ah oui, non mais il aurait préféré avoir des V-Bucks, hein, il est derrière et... Oh puis en plus, il y a les mouchoirs en bas à gauche du PC. Aïe. Alors c'est bien beau de se branler puis de jouer à Fortnite toute la journée, il faut se laver. Prendra soin de ta peau, hein. Il y a 6 masques, t'as la peau grasse. 6 masques. Prendra soin de tes points noirs. Oh bah alors ça... Bon alors là, on a passé un step. Combo. Ah ouais, non mais attends, t'as vu, il a volé. Ah, regarde, voilà. Il a volé le panneau au chantier à côté. Ça, c'est un bon campagnard, ça. Mais là, il a osé. Non, c'est pour être un enculé. Il a volé la croix de la pharmacie. Ah, c'est bon. Là, c'est trop. Ils sont allés la dévisser la nuit et tout. Ils ont fait une mission, quoi. Il y a des gens qui vont crever de maladie parce qu'ils sauront pas trouver la pharmacie parce qu'il a chouré l'aventure. Son appart, c'est un phare maintenant. Une carte Burger King. Genre, pour les gros gourmands, il y a des cartes. Ouais, c'est quoi ça? Il y a des formules premium. Attends, un peu, c'est bizarre parce que t'as dit ça de manière intéressée. Non, j'aime pas Burger King. Ok, moi non plus. Attends, ils font des collabs avec des influenceurs. Une fois tous les deux jours, c'est excellent, j'adore. Moi j'aime pas trop Burger King parce qu'il y a aucun burger qui me convient. En revanche, si j'avais l'occasion de faire mon propre burger avec les bons ingrédients qu'ils ont. Ils ont déjà des excellents ingrédients, alors si on pouvait faire notre propre burger, ça c'est... 365 dictons de nos régions racontés par Jean-Pierre Pernaut. Putain, mais mettez-nous des exemples de Jean-Pierre Pernaut qui nous donne des dictons, merde. Donc Jean-Pierre, il est en galère, il fait des trucs comme ça. Trop en galère, cool, hein. Tu rigoles, ça se trouve c'est un best-seller. Non mais je veux dire, il se met à faire des petits side projects comme ça, tu vois. Attends, tu connais pas la maison d'édition Playback? Playback. RIP. Ah merde, j'ai oublié qu'il était mort. Oh, putain, j'avais complètement oublié. Eh bien, c'est bien qu'il ait pu raconter ces dictons de nos régions et nous réchauffer le cœur à Noël encore. et je pense que de là-haut, il est fier de vous qui disiez ces dictons. Un grand respect à Jean-Pierre. Oh la vache. Ah, ouais. 5 mugs, pas un mug, 5. 5. Eh, tu te fais pas chier, toi, putain, Axel, la vache. Ah, ma soeur m'a offert une tasse avec une photo de mon neveu qui bouffe la table. Qui bouffe la table. Très bien. Il a même pas un an, le bordel. Oui, bah, je sais bien. Bah, mon neveu, bah, il a 14 ans, il est débile. Les dents sur la table. Fais les dents, maman. Oh, ils ont changé de DA, les célébrations. Après, c'est toujours une fête de recevoir des célébrations. C'est une fête, mais je vais manger seulement ça et ça et ça. Moi, Snickers, Mars, Bounty, Milky Way. Ouais, je mange quasiment tout, je suis pas un... Non, mais toi, je sais, c'est du chocolat, c'est bon, c'est ça passe. Je l'avais pas vu. Ah, la réduque. Ah, oh, elle est sombre. Elle est... Oh, c'est un tunnel. Oh. Ah, la reste fion. Oh putain, bien poilu là. Ah putain, faut faire gaffe au fou, il y a toujours un truc qui s'y cache. J'étais super concentré. Pendant au moins 2 minutes, on a parlé de ça. Je l'ai absolument pas vu. La reste cul. Un marteau. Pardon, mais moi je trouve ça sexy. Mais un marteau, c'est 12 en un. Moi, ma trousse à outils là, je le mets dedans direct. Attends, best gift for men. Ah ouais, bon, pardon. Ouais, mais allez, madame, elle comprend rien. Mon chéri, c'est pas un coupe-ongle. Quelle école, celle-ci. Ah, le hasard. Oh putain, hasard en forme de bail et 6 coups, mon pote. Putain, y'a pas plus viril. Eh, ça, madame, elle touche pas. Hein. Bon bah là... Bye bye. Il y en a combien des mangas sur les nazis? Ah, Marcel dit, vrai bon manga ça par contre. Marcel. D'accord. Ah bah il y a beaucoup de mangas et là... Apparemment c'est vraiment une adaptation Mein Kampf en mode manga, c'est vraiment trop stylé quoi. C'est... Des bombes de bain, on n'avait pas vu des bombes de bain. C'est super les bombes de bain, c'est marrant. Ah, j'en étais sûr, j'ai pas de baignoire. J'en étais sûr. Ah, c'est merde. Souvent le cas. Hein. C'est... Non mais tu mets ça dans... Tu bouches l'évier, tu te fais une petite bombe de bain pour ta vaisselle. Oh super. La vaisselle qui pue le savon. Oh non putain. Ah ça y est, ça recommence. Mais vous êtes des sales campagnards et en plus t'as niqué ton mur en le posant. Regarde à droite comment il a enculé son mur. Ah oui, t'as râpé.
Mais arrêtez avec vos livres Hitler. Il y a une fascination grandissante pour Hitler ou quoi? L'histoire à son meilleur, captivant et original. Une biographie novatrice qui remet en question nombre d'idées reçues. Ouais, il est bizarre lui. Faut pas lui... croire que c'était forcément négatif. Hein. Robert, il est bizarre. Alors lui, c'est... Do you hear me in your calling?